Aussi imprévisible que brutal, le roi des pillards déchus, connu sous le nom de Gangplank, est partout redouté. Où qu'il aille, la mort et la ruine le suivent dans son sillage, et son infâme réputation est telle que la simple vue de ses voiles noires plonge dans la panique les équipages les plus vaillants. Enrichi par le pillage des routes commerciales sur les 12 mers, Gangplank s'est fait de puissants ennemis. À Ionia, il a suscité la rage du terrible Horde de l'Ombre après avoir mis à sac le temple du Couteau dentelé. Et l'on dit que le grand général de Noxus, en personne, a juré de faire écarteler Gangplank pour le vol du Léviathan, le navire amiral de Swain qui fait la fierté de la flotte noxienne. Gangplank a suscité l'ire de bien des gens, mais nul n'a su le conduire jusque devant la justice, en dépit des assassins, des chasseurs de primes et des armadas entières dépêchées contre lui. Il prend un plaisir malsain à voir monter la récompense promise pour sa capture sur les affiches, et il ne manque jamais de les exhiber sur les murs de Bilgewater à chaque fois qu'il revient au port, les soutes lourdes de butin. Mais les machinations de la chasseuse de primes Miss Fortune ont récemment eu raison de Gangplank. Son navire a été détruit sous les yeux de tout Bilgewater. Il y a perdu son équipage et sa réputation d'invincibilité. Sachant désormais qu'il peut être vaincu, tous les gangs de Bilgewater ont repris du poil de la bête et s'affrontent pour prendre la haute main sur la cité portuaire. Bien qu'atrocement blessé dans l'explosion, Gangplank a survécu. Couturé par une multitude de nouvelles cicatrices, son bras amputé remplacé par un membre de métal, il est déterminé à rebâtir sa puissance, à reprendre ce qu'il pense lui revenir de droit et à punir tous ceux qui se sont opposés à lui. Alors j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à continuer de me dire quel personnage vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner ou à partager la vidéo si cela vous a plu. Et je vous dis à une prochaine.